le mouvement des élèves étudiants républicains de Guédiouaï salue les nombreux efforts consentis par le gouvernement du Sénégal en matière de politique énergétique. Ces actions ont contribué à une parfaite électrification rurale à travers une large couverture de la Sénélec sur le territoire national. Constatant que depuis un certain moment, les soi-disant organisations et leaders d'opinion sont en train de faire une diabolisation sur les réalisations du président à cause des mesures prises par la Sénélec, le maire de Guédiouaï condamne fermement ces intoxications infondées. Car toutes les réformes qui ont été prises par le gouvernement dans le secteur de l'énergie entrent dans le cadre d'atteindre les objectifs de rectification universelle du Sénégal. C'est en ce sens que le mouvement des élèves étudiants républicains renouvelle son engagement total envers le président de la République dans ces réformes qui sont bénéfiques pour la population à travers une équité territoriale et un accès universel à l'électricité. De ce fait, nous nous engageons à côté de notre coordinateur national Ablaye Diagne pour sensibiliser davantage la population en leur octroyant de bonnes informations à chaque fois que ces lobbies tenteront de déstabiliser le pays. Et notre marche prévue ce vendredi 3 janvier 2020 entre dans cette logique qui est de fournir la bonne information aux Sénégalais, particulièrement à la population de Guédiouaï, afin qu'ils puissent mieux comprendre les enjeux. Pour finir, le mouvement des élèves étudiants républicains de Guédiouaï encourage l'État du Sénégal à poursuivre ses réformes qui sont bénéfiques en prenant en compte les préoccupations des consommateurs tout en communiquant davantage. Fait à Guédiouaï le 31 décembre 2019. Je vous remercie.